Après avoir étudié les charpentes en acier et les charpentes en bois, on va maintenant s'intéresser au troisième type de charpente couramment utilisée dans l'industrie de la construction, c'est-à-dire les charpentes en béton armé. Avant de parler des charpentes en béton armé proprement dit, je pense que c'est important d'avoir un minimum de notions sur le béton en tant que matériau de construction. Si on regarde la composition d'un béton, un béton c'est quoi? Bien, un béton c'est un mélange d'eau, de ciment, de sable et de gravier, auquel on va souvent ajouter une petite quantité d'adjuvants, qui sont des produits chimiques qui vont modifier certaines propriétés du béton. Donc, le ciment, c'est vraiment la poudre grise là, qu'on va utiliser, qui mélangée avec de l'eau va faire une réaction chimique et va durcir. Si vous regardez sur la diapositive, on a une illustration qui nous donne la composition d'un béton typique. Donc, on s'aperçoit que la quantité de ciment représente environ 10 % du volume, le sable environ 25 % le gravier environ 40 % et l'eau environ 15 % Il nous reste une quantité d'air qui est présente sous forme de petites bulles d'air emprisonnées dans le mélange de béton. Donc, la quantité d'air va varier entre 2 et 8 % généralement. Lorsque le béton va être exposé à l'extérieur, on va volontairement entraîner des petites bulles d'air microscopiques dans le béton pour le protéger là, contre le cycle de gel-dégel. Donc, globalement, si on regarde, on s'aperçoit que les granulats, c'est-à-dire le mélange de sable et de gravier, représentent environ les 2/3 du volume du béton. Et l'autre tiers est constitué par la pâte de ciment, qui est un mélange d'eau et de ciment. Ça m'amène d'ailleurs à faire une petite mise au point au niveau de la nomenclature. Donc, le ciment, c'est vraiment la poudre grise là, qu'on va acheter, qu'on va mélanger avec de l'eau là, qui va réagir chimiquement pour durcir. Le béton, comme je le mentionnais, bien, c'est le mélange de l'eau, du ciment, du sable et du gravier. Le sable et le gravier, on va appeler ça des granulats. Le mélange d'eau et de ciment, on va appeler ça la pâte de ciment ou du coulis de ciment. Donc, dans certains cas, on va utiliser un coulis de ciment pour faire de l'injection dans des fissures, par exemple, lorsqu'on va faire des réparations. Et dans certains cas aussi, on ne va pas rajouter de gravier. Donc, on va avoir un mélange d'eau, de ciment et de sable qu'on va appeler du mortier. C'est ce qu'on va utiliser, par exemple, dans la maçonnerie pour faire les joints entre les briques dans un mur de briques, par exemple. Donc, si on regarde l'hydratation du ciment Portland, j'ai dit que c'est un liant hydraulique, c'est-à-dire qu'il réagit avec l'eau pour créer des nouveaux produits et durcir. Donc, à la gauche de la diapositive, j'ai dessiné une figure qui représente schématiquement le béton à l'état frais, c'est-à-dire j'ai des grains de ciment qui sont représentés ici en gris, qui flottent dans l'eau de gâchage qui est représentée en bleu. Donc, à ce moment-là, mon matériau est fluide, puis je vais pouvoir le transporter, le mettre en place dans les coffrages. Avec le temps, la réaction chimique va se faire entre l'eau et le ciment, et je vais avoir ce qui est illustré à droite là, de la diapositive, hein, après que le ciment ait fait prise. Donc, je vais avoir mes grains de ciment qui vont être dissous et qui vont avoir réagi avec l'eau pour former des produits hydratés qui sont essentiellement des silicates de calcium hydraté qu'on va souvent appeler tout simplement des hydrates. Donc, en gris pâle, j'ai représenté ici les hydrates qui sont le résultat de la réaction chimique entre le ciment et l'eau et qui vont venir enrober tous les grains de ciment. Donc, ces hydrates-là vont créer une espèce de colle qui va venir unir tous les grains de ciment ensemble et qui va faire que le matériau va durcir puis va devenir un matériau solide doté d'une certaine résistance mécanique. En bleu, ce qu'on voit sur l'illustration en bleu à droite ici, c'est les pores capillaires. Les pores capillaires, c'est des espaces qui étaient initialement occupés par l'eau de gâchage et qui n'ont pas été remplis par les hydrates. Donc, ces pores-là vont rester dans le matériau, vont contenir l'eau qui n'a pas réagi chimiquement. Avec le temps, bien, l'eau va s'évaporer et ces pores-là vont faire des vides dans le matériau. Donc, vous avez une illustration ici, deux illustrations à droite de la diapositive qui vous montrent des vues, des images de béton vues au microscope électronique.
Donc, on voit que ce matériau est très poreux. Sur l'image du haut, là, on voit les aiguilles, on voit qu'on a des matériaux de différentes formes qui sont très poreux. Sur la vue du bas, bien, ce qu'on voit, c'est ici les éléments un peu floconneux, là, c'est nos hydrates, hein, c'est nos silicates de calcium hydratés. Puis ce qu'on voit ici, par exemple, là, la tache noire, c'est un gros pare capillaire. Les pores capillaires sont très petits, là, ils sont à peine visibles au microscope électronique. Donc, ces pores capillaires-là sont importants. Le volume total des pores capillaires représente entre 20 et 40 % du volume de la pâte de ciment, ce qui est énorme, puisque la pâte de ciment représente environ le tiers du volume du béton. Ça signifie que les pores capillaires, en fait, vont occuper entre 7 et 15 % environ du volume total de béton. Donc, ces pores-là, c'est eux qui vont influencer beaucoup les propriétés du béton, dont ses propriétés mécaniques. Évidemment, les pores, c'est du vide, ça n'a aucune résistance. Donc, plus je vais avoir de pores, moins mon béton va être résistant. Hein, ça m'amène à parler d'un paramètre qui va être fondamental dans la technologie du béton. C'est le paramètre le plus important lorsqu'on parle de la fabrication du béton. C'est ce qu'on va appeler le rapport au ciment. Donc, le rapport au ciment, c'est le ratio entre la masse d'eau et la masse de ciment qu'on va utiliser pour fabriquer du béton. Plus le rapport au ciment va être élevé, bien, plus le béton va contenir de pores capillaires et moins il va être résistant et durable. Donc, le rapport au ciment, c'est vraiment un paramètre très, très important. On a intérêt à utiliser le moins d'eau possible dans la fabrication du béton. Donc, si on utilise moins d'eau, on a moins de pores, on a un matériau de meilleure qualité. Par contre, on doit utiliser une quantité d'eau minimale qui est supérieure à la quantité d'eau strictement requise là, pour participer à la réaction chimique d'hydratation. Pourquoi on a besoin d'utiliser une quantité d'eau minimale qui est plus grande que la quantité requise pour la réaction chimique? C'est que notre béton a besoin d'avoir une certaine ouvrabilité, c'est-à-dire d'être suffisamment fluide pour qu'on puisse le transporter et le mettre en place correctement dans les coffrages. Si on mettait uniquement la quantité d'eau nécessaire à les réactions chimiques d'hydratation, on aurait un mélange très raide qui ressemblerait un petit peu à du sable humide et on ne serait pas capable de le travailler correctement. Donc, on est toujours obligé d'ajouter une quantité d'eau importante pour avoir une ouvrabilité suffisante. Les bétons visuels sont caractérisés par un rapport au ciment qui va varier entre 0,45 et 0,6. Et ils sont caractérisés aussi par différentes propriétés mécaniques. D'abord, on note une bonne résistance à la compression. Hein, la résistance à la compression du béton va varier entre 20 et 40 mPa. C'est comparable ou légèrement supérieur à la résistance du bois lamellé collé, qui était de l'ordre de 25-30 mPa à peu près. Mais c'est plus élevé, c'est peut-être deux fois plus élevé, deux ou trois fois plus élevé que la résistance à la compression du boîtiage. Évidemment, c'est bien inférieur à la résistance de l'acier. Hein, c'est environ 10 fois inférieur à la résistance en compression de l'acier, qui est de 350 mPa. Mais globalement, on a quand même une bonne résistance à la compression. C'est dont on va servir pour faire des bâtiments en béton. Une deuxième caractéristique, c'est qu'on a une très faible résistance à la traction. En fait, dès que le béton va être sollicité en tension, il va se fissurer très rapidement. Et sa résistance est très faible. La résistance est tellement faible qu'on la néglige complètement, qu'on considère qu'elle est nulle. Le béton va aussi avoir une faible résistance au cisaillement. La résistance au cisaillement est de l'ordre de 1 mPa. Donc, c'est bien inférieur à la résistance en cisaillement de l'acier qui est de l'ordre de 260 là, mPa. Mais c'est comparable à la résistance au cisaillement du bois, qui était aussi similaire à ça, qui variait entre 1 et 2 mPa. Finalement, le module élastique, on dit que le module élastique, c'était la propriété qui mesurait la rigidité du matériau, c'est-à-dire la résistance qu'il offre à la déformation. Le module élastique du béton va être d'environ 30 mPa. C'est bien inférieur à celui
à celui de l'acier, qui est égal à 400, mais c'est trois fois plus élevé que celui du bois. Donc, globalement, pour un même volume, le béton va être environ trois fois plus rigide qu'une pièce de bois de dimension comparable. Depuis une vingtaine d'années, on a développé des adjuvants qui permettent de réduire considérablement la quantité d'eau utilisée pour faire du béton, tout en maintenant une ouvrabilité suffisante. Donc ça l'a permis en quelques décennies de réduire beaucoup la quantité, de réduire beaucoup le rapport au ciment et donc d'augmenter considérablement la résistance du béton. Donc depuis une vingtaine d'années, on utilise des bétons qu'on appelle des bétons de haute performance qui sont beaucoup plus résistants, mais dont je ne parlerai pas ici dans ma présentation parce que je me concentre sur les bétons qui sont utilisés couramment en construction. Ces bétons-là sont des bétons plus spéciaux. Donc, si on regarde la résistance en compression, la résistance en compression, on a dit que c'était fonction du rapport au ciment qui détermine la porosité du béton. Mais c'est pas influencé uniquement par ça, c'est aussi fonction du degré d'avancement de l'hydratation. La réaction chimique d'hydratation, on a dit que c'était une réaction qui était lente. Donc, plus la réaction va progresser, plus je vais former d'hydrate, moins je vais avoir de pores capillaires et plus mon béton va être résistant. Cette réaction chimique d'hydratation-là, quand je dis elle est lente, en fait, elle peut se poursuivre sur des jours, des semaines, des mois et même des années. Donc, lorsque je vais fabriquer du béton, je vais le garder humide suffisamment longtemps pour que la réaction d'hydratation progresse afin d'atteindre un certain niveau de résistance mécanique qui est souhaité là, pour ma charpente. Donc, si je laisse sécher le béton, si le béton est exposé à l'air, l'eau des pores capillaires va s'évaporer et j'aurai plus suffisamment d'eau pour participer à la réaction chimique et donc l'hydratation va s'arrêter. Donc, ce que je vais appeler le mûrissement, c'est l'ensemble des opérations qui sont destinées à garder le béton humide pendant suffisamment longtemps pour atteindre la résistance attendue du béton, c'est-à-dire la résistance qui est spécifiée au devis de construction. En chantier, ça signifie que le béton va être généralement mûri pendant une période qui varie entre 7 et 14 jours, c'est-à-dire pendant 7 et 14 jours, je vais garder le béton dans un état humide pour permettre à la réaction chimique de progresser. La température, comme je l'ai mentionné précédemment aussi, joue un rôle de catalyseur sur la réaction chimique. Donc, plus il fait chaud, plus la réaction chimique progresse rapidement. Donc, la durée de mûrissement va être fonction de la température. Plus il fait froid, plus je vais devoir mûrir longtemps le béton pour atteindre un même niveau de résistance. Donc, ici, à l'écran, je vous ai mis une figure qui montre justement l'évolution de la résistance et la compression du béton en fonction du temps. Pour différentes conditions de mûrissement. Donc ici, si vous regardez la courbe rouge, en trait continu, la courbe qui est ici, c'est l'évolution de la résistance en compression en fonction du temps. Lorsque le béton est conservé continuellement à l'humidité. Donc on a pris comme référence ici 100% de la résistance qui correspond à un béton qui a été mûri à l'humidité pendant 28 jours. Je vais revenir dans quelques minutes. Donc là, je m'aperçois que la résistance augmente rapidement dans les premiers jours. Elle augmente rapidement, puis ensuite ça diminue. La résistance continue d'augmenter, mais ça diminue. Après 180 jours, après 6 mois, si je regarde, je n'ai pas encore atteint un plateau, là, la résistance continue d'augmenter, mais lentement. Si j'ai, ici, on a la courbe d'un béton qui serait mûri dans l'air pendant 7 jours et qui ensuite serait exposé à l'air, c'est-à-dire qui sécherait. Donc au début, la courbe est la même que le béton qui est maintenu continuellement à l'humidité. Mais après 7 jours, quand je laisse sécher, il sèche progressivement. Au début, ça suit. Puis là, on voit, il n'y a plus assez d'eau pour l'hydratation.
puis la résistance va plafonner. On a la courbe ici qui nous donnerait la même chose s'il est conservé seulement 3 jours à l'humidité. Donc, la résistance va plafonner plus tôt. Et si mon béton était muré uniquement dans l'air, c'est-à-dire si je ne le gardais pas du tout à l'humidité, ben on plafonnerait beaucoup plus rapidement, puis on aurait une résistance qui serait inférieure là, à 60% de celle qui est mûrie dans l'air. Les courbes qui sont représentées ici à l'écran sont les courbes obtenues pour un béton qui serait conservé à une température constante de 21 degrés. Évidemment, on aurait des résultats différents si on modifiait la température. Plus la température serait élevée, plus la résistance augmenterait rapidement. Donc, ce qu'on va faire pour spécifier la résistance en béton, c'est la résistance à compression du béton qu'on va spécifier au devis de construction. C'est une résistance normalisée qui correspond à la résistance d'un béton qui serait conservé pendant 28 jours à 21 degrés Celsius. Donc, un béton conservé pendant 28 jours à l'humidité à 21 degrés Celsius, on a la ligne continue rouge ici. Et donc, on aurait notre 100% de résistance. En chantier, comme j'ai mentionné, le béton va être mûri moins longtemps, va être mûri généralement 7 à 14 jours. Donc, imaginons qu'en chantier, le béton est mûri 7 jours à 21 degrés, on aurait la courbe qui est ici, ce qui veut dire qu'à long terme, hein, notre béton atteindrait la même résistance, notre 100% ici, que la résistance spécifiée au devis. Donc, on va vouloir avoir des conditions de mûrissement en chantier qui vont faire en sorte qu'à long terme, après quelques semaines ou quelques mois, le béton en chantier va atteindre une résistance qui est égale ou supérieure à la résistance qui est spécifiée là, au devis de construction. Donc, ça m'amène justement à parler de devis de construction. Dans le devis de construction, on va spécifier une résistance qui est représentée par le symbole F'C. Hein, quand vous avez parlé à des gens de béton, des ingénieurs, ils vont toujours vous parler du F'C. F'C, c'est la résistance à la compression du béton mesurée après 28 jours de cure humide à 21 degrés Celsius. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'il va y avoir une livraison de béton au chantier de construction, il y a un laboratoire d'essai qui va aller sur place, qui va prélever des éprouvettes de béton, qui va les amener en laboratoire, qui va les placer dans une chambre humide à 100% d'humidité et 21 degrés pendant 28 jours. Après 28 jours, il va sortir les éprouvettes. Il va les tester en compression sur une presse hydraulique, comme on voit ici. On va appliquer une force sur le béton jusqu'à la rupture, puis on va mesurer sa résistance. Puis ça va nous donner la résistance, la compression du béton, l'F'C. La valeur qu'on va mesurer, en fait, ça mesure la qualité du matériau qui a été livré au chantier de construction, mais ça ne nous assure pas que le béton qui est présent dans le bâtiment possède cette résistance-là. La résistance réelle du béton dans le bâtiment, ben, ça va dépendre non seulement de la qualité du béton qui a été livré en chantier, mais aussi de la façon dont il a été mûri, hein, donc il a été conservé à l'humidité. Donc, cet aspect-là est important. Le mûrissement, c'est quelque chose de très important dans la construction en béton. Il faut s'assurer de mûrir le béton correctement pour qu'il puisse atteindre en chantier la résistance mécanique prévue au devis. Si je regarde ici la variabilité statistique du béton, ben, le producteur de béton, lorsqu'ils vont faire son mélange de béton, si je fais une gâchée de béton, puis que je prends 3 000 éprouvettes de béton, puis que j'ai test en compression, je n'aurai pas 3 000 fois exactement la même valeur. Donc, si je regardais la résistance ici en compression sur l'axe en abscisse, puis je mettais la fréquence ici en ordonnée, hein, des résultats que j'obtiens, ben, j'aurai une distribution statistique qui suit une loi normale, comme ça, qui est représentée par la courbe en rouge. Donc, j'aurai une moyenne. Hein? En moyenne, j'aurai la valeur ici qui est représentée par la ligne pointillée, mais il y a certains échantillons qui testeraient plus fort, certains échantillons qui testeraient plus faible. Donc, la valeur FC qui va être spécifiée au devis, ben, ça dit qu'en fait,
Il faut que 95% des éprouvettes aient une résistance égale ou supérieure à cette valeur-là. Donc, ça va arriver dans 5% des cas, une fois sur 20, en moyenne, que ma résistance va être plus faible. Donc, si je faisais des essais en laboratoire, ben, normalement, je suis sûr que dans 95% des cas, ma résistance est supérieure à la résistance spéciaux de vie. Ce qui veut dire que le producteur de béton, lui, pour être sûr que la valeur de FC ici respecte les exigences du devis, ben, va produire en moyenne un béton qui est plus résistant. C'est-à-dire, si je demande un béton de 30 MPa, mais je veux que bon, FC ici est égal à 30 MPa, mais la moyenne va peut-être égale à 32 ou 33 MPa. Et parfois, je vais avoir du béton, disons, de 35 MPa. Donc, tout ça fait en sorte que la résistance réelle du béton que j'ai dans mon ouvrage n'est jamais exactement celle qui était spéciale de vie, contrairement au bois ou à l'acier, où je contrôle très bien la résistance et j'ai à peu de choses près exactement la résistance que j'avais exigée. Ici, on a la relation entre la résistance et la compression, le rapport au ciment. Donc, plus le rapport au ciment est grand, comme je le mentionnais, plus j'ai de pores capillaires, puis plus la résistance est faible. Donc ici, en rouge foncé, j'ai représenté la gamme des bétons usuels qu'on va utiliser en construction. Hein, donc, où on va avoir un rapport ciment qui va varier entre 0,45 et 0,6, puis qui va nous donner des résistances à la compression qui vont varier, disons, de 15 MPa à peut-être 45 MPa. Et comme je le mentionnais, je n'insisterai pas là-dessus, mais récemment, on a développé des adjuvants qui ont permis de réduire le rapport au ciment pour produire des bétons qui ont une résistance à la compression beaucoup plus élevée. On va ici jusqu'à 120 MPa, mais maintenant, on fabrique des bétons en chantier qui ont une résistance là, qui peut atteindre 150 MPa. Donc, on va utiliser ces bétons-là pour des applications spéciales. Après avoir parlé du comportement mécanique du béton, on en arrive maintenant au concept même du béton armé, dont on va décrire ici rapidement le comportement structural. Donc, si on regarde en haut à droite de la diapositive, on aurait un béton non armé qu'on utiliserait comme poutre. Hein? Si on l'utilise comme poutre, qu'on applique une charge sur notre poutre, bien, notre poutre va travailler en flexion. Hein? La partie supérieure de la poutre va être comprimée, la partie inférieure va être tendue. Mais comme la résistance en tension du béton est très faible, bien, il va apparaître une fissure sur la fibre inférieure de notre poutre. Puis notre poutre va se rompre brutalement là, dès qu'une fissure va apparaître sur la fibre inférieure. Donc, notre poutre n'aura aucune résistance. Le principe du béton armé, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici une barre d'armature dans le bas de notre poutre. Et là, lorsqu'on va appliquer une charge sur notre poutre, notre poutre va travailler en flexion. Donc, le haut de la poutre va travailler en compression. Donc, ce que j'ai représenté ici en gris pâle, c'est une zone de béton qui va être comprimée. Notre axe neutre va être à cet endroit-là. Hein? L'axe neutre, vous vous souvenez, c'est où notre fibre ne subit ni allongement ni raccourcissement, donc aucun effort. Donc, au-dessus de l'axe neutre, mon béton va être comprimé. En bas de l'axe neutre, mon béton va être tendu, donc il n'y aura aucune contribution structurale. Je vais le représenter ici en blanc. Mais à la fibre inférieure, bien, mes barres d'armature vont être tendues, mes barres d'armature vont s'étirer, ils vont travailler en tension. Puis donc, je vais avoir de la compression dans le béton en haut de la poutre et de la tension dans les barres d'armature en acier dans le bas. Et ça va me donner une certaine résistance en flexion. Donc, mon béton va fissurer. Je vais avoir des petites fissures que j'ai représentées ici qui vont apparaître dans le bas de ma poutre. Mais ces fissures-là vont être suturées par les barres d'armature. Les barres d'armature vont éviter que les fissures s'ouvrent. Et les fissures vont être très petites. Là, la largeur des fissures, là, ça va être une fraction de millimètre. Donc, c'est des fissures qui ne seront pas visibles ou à peine visibles à l'œil nu. Donc, c'est le principe ici du béton armé. Dans ce système-là, contrairement à ce que j'avais en bois ou en acier où mon axe neutre était situé au centre de ma poutre, hein, donc j'avais la même quantité de matière comprimée et tendue. Donc, si mon axe neutre est situé beaucoup plus haut,
Ce qui fait qu'environ seulement 15% environ de la hauteur de ma poutre qui va être comprimée, où le béton va avoir une contribution structurelle, c'est-à-dire que tout le béton qui est situé en dessous, qui est représenté en blanc ici, n'a aucune contribution structurelle. En fait, il sert à espacer mon béton comprimé de mes barres d'armature, mais je n'ai pas de contribution structurelle, il ne participe pas à supporter les charges. Si on regarde maintenant, si on regarde ça de façon un petit peu plus détaillée, comme on l'avait fait au tout début de la session pour les charpentes en acier, bien, vous vous souvenez, on a dit que dans les poutres en flexion, si on regarde, on avait deux types d'efforts. On avait le moment fléchissant, puis on avait l'effort tranchant. Pour le moment fléchissant, les efforts de flexion, on avait vu que si je prends le cas standard d'une poutre simplement appuyée, j'avais de la compression dans le haut de ma poutre puis de la tension dans le bas. Puis mes efforts de flexion bien, étaient nuls aux extrémités de ma poutre puis maximum au centre. Okay? Donc, pour résister à ça, comme je le mentionnais, bien, j'ai mon béton qui est comprimé en haut, mon acier qui a de la tension en bas. Puis ces deux efforts-là feront leur bras de levier, bien, ça va me donner un effort interne qui correspond aussi à l'effort de flexion. Donc, maximum au centre, minimum aux extrémités. Pour l'effort tranchant, on avait vu que l'effort tranchant est nul au centre de ma poutre, mais maximum aux extrémités, puis varie linéairement entre les deux. Donc, pour réussir à l'effort tranchant, bien, quand j'ai un effort tranchant vertical, mes barres d'armature longitudinale ici ne peuvent pas me donner une résistance à l'effort tranchant. Donc, pour avoir une résistance à l'effort tranchant, je vais rajouter des barres d'armature verticale ici. Donc, quand je vais avoir des efforts de cisaillement, comme j'ai représenté ici, là, je pousse ici vers le haut, je pousse là vers le bas, donc j'aurai une fissure qui a tendance à apparaître ici, hein, inclinée. Donc, la fissure va croiser des barres d'armature comme ça, verticales, et ces barres d'armature-là vont travailler en tension pour éviter l'ouverture de la fissure et donc pour résister aux efforts de cisaillement. Ces membrures-là, verticales, je vais appeler ça des étriers. Hein? Donc, si je regarde sur ma poutre ici, j'ai mes barres longitudinales qui sont dans le bas, qui vont reprendre des efforts de tension. J'ai des espèces de barres verticales, de petits cadres verticaux avec des barres que je vais appeler des étriers, qui vont résister aux efforts de cisaillement. Comme les efforts de cisaillement sont nuls au centre, sont au maximum aux extrémités, ben, mes étriers ne seront pas uniformément. L'espacement de mes étriers ne sera pas uniforme sur toute la longueur de la poutre. En fait, je vais avoir mes étriers qui vont être plus rapprochés aux extrémités de la poutre où mes efforts sont élevés, puis ils vont être plus espacés au centre où mes efforts sont plus faibles. J'ai représenté la même chose ici schématiquement, là, mes étriers plus rapprochés aux extrémités, puis plus espacés quand je me rapproche du centre où mes efforts sont moins importants. Donc, on a une vue ici à gauche d'une poutre en béton armé. Donc, on a les barres longitudinales ici dans le bas de la poutre. On a nos étriers, hein, qui sont des espèces de petits cadres en acier comme ça, verticaux. Puis, on a deux barres d'armature longitudinale dans le haut qui servent à attacher nos étriers. Ici, on a l'exemple d'une poutre là, qui a été construite. Là. Donc, ça, ce qu'on va appeler l'ensemble des barres longitudinales, des étriers, on va appeler ça des cages d'armature. Donc, on a un exemple ici d'une cage d'armature qui a été fabriquée en chantier où on voit bien les étriers ici qui recouvrent les barres longitudinales. Donc, on a un exemple ici de poutre en béton armé qui soumet un effort de flexion en laboratoire. Donc, on voit bien les fissures ici là, qui apparaissent sur le film inférieur de la poutre. Et donc, à l'intérieur, on a nos barres d'armature ici qui empêche l'ouverture des fissures, qui donne une certaine capacité portant à notre poutre. Donc, dans le cas de la construction béton armé aussi, une caractéristique importante, c'est que pour les charpentes en bois et en acier, on avait généralement des poutres qui étaient simplement appuyées, c'est-à-dire on considérait qu'on avait des joints rotulés aux extrémités de la poutre, ce qui fait que au niveau de l'assemblage entre la poutre et les poteaux ou entre les poutrelles et les poutres, ben, la rotation pouvait se faire librement, ce qui faisait
qu'on avait ici ce type d'effort-là. Hein. Ici, ça peut tourner librement, donc on n'avait pas d'effort de flexion aux extrémités de la poutre. Dans le cas des poutres en acier, bien, comme tout ça est coulé en même temps, bien, on a des joints rigides. On a ici, si vous regardez sur l'illustration en haut à droite de la diapositive, on a la cage d'armature ici dans notre poutre, avec nos étriers qui sont plus rapprochés près de l'appui puis qui s'éloignent ensuite. Puis on a nos cages d'armature ici dans nos poteaux, là, je vais revenir plus tard. Puis on a l'acier qui est continu, les barres d'armature ici qui passent de la poutre, qui se prolongent dans le poteau. Hein, sur la fibre supérieure, se prolonge aussi dans le poteau. Quand on va venir couler le béton, bon, on va tout couler ça en même temps, donc on va avoir un joint monolithique. Comme on a un joint monolithique avec des barres d'armature qui se poursuivent, ben, ça travaille comme un joint rigide. C'est un des avantages importants des charpentes en béton armé, c'est qu'on a facilement, on a un peu automatiquement des joints rigides. Hein, c'est l'inverse, c'est plus difficile de faire des joints modulés. Donc, on a des joints rigides. Si on a des joints rigides, c'est-à-dire que quand ça travaille en flexion, si je regarde ici le joint entre une poutre et un poteau, ben, en pointillé, j'ai mis la géométrie initiale là, de mon poteau puis de ma poutre qui était respectivement verticale et horizontale. Ben, quand je vais ajouter des charges, je vais avoir des efforts de flexion. Donc, j'ai amplifié ici les déformations. J'ai représenté ici la déformation de ma poutre puis la déformation de mon poteau. Ce qui veut dire que si on regarde ici, par exemple, au centre de ma travée, le haut de mon béton va être comprimé, puis le bas va être tendu. Donc, le haut ici est comprimé, hein, je n'ai pas de barre d'armature. Le bas est tendu, je vais mettre mes barres d'armature où j'ai de la tension pour reprendre les efforts de tension. Mais près de l'appui, je vais avoir l'inverse. Si vous regardez, la courbure est inversée. Hein? Donc, je vais avoir de la compression dans le bas de ma poutre. Donc, mon béton va être comprimé dans le bas, puis de la tension dans le haut. Donc, si vous regardez les barres d'armature, plutôt que prolonger les barres d'armature dans le bas de ma poutre ici, je vais venir les placer dans le haut. Donc, j'ai mes barres d'armature qui sont placées dans le haut ici, qui vont être courbées là. Ici, je prolonge deux barres dans le bas, mais c'est uniquement pour être capable d'attacher mes étriers, là. Mais ils n'ont pas de contribution structurelle. C'est les barres du haut qui vont travailler structurellement. Donc, dans les charpentes en béton armé, c'est important. Ça, c'est une grosse différence avec les charpentes en acier puis en bois. C'est que je vais avoir un système de joints rigides partout. Et ce qui est important, c'est de toujours placer mes barres d'armature aux endroits tendus. Hein. Donc, ici, mes barres d'armature dans le bas, j'ai de la tension. Là, dans le haut, j'ai de la tension. C'est important de faire ça. Puis, la quantité de barres d'armature, ben, va varier l'intensité des efforts. Lorsque je vais avoir des efforts importants, je vais mettre plus de barres ou des plus grosses barres. Et lorsque mes efforts vont être plus petits, je vais mettre des barres plus petites ou je vais mettre moins de barres. Donc, je vais ajuster la quantité d'armature en fonction des efforts internes. Ça me permet de présenter certaines caractéristiques des charpentes du béton armé. Donc, une des caractéristiques, c'est que le béton, on l'a mentionné, ça possède une bonne résistance en compression, mais une faible résistance en traction. Donc, dans du béton armé, je vais combler la faible résistance à la tension du béton en ajoutant des barres d'armature dans les zones qui sont sollicitées en tension. La quantité des barres d'armature va varier selon l'intensité des efforts. Mais ça va varier généralement entre 0,25 et 5% du volume total de béton. Donc, c'est une petite fraction du volume total du béton. En volume, les barres d'armature occupent un petit volume. Pourquoi les barres d'armature occupent un petit volume? C'est que l'acier que j'ai utilisé pour faire des barres d'armature a une résistance à tension de 400 MPa, comparativement à la résistance du béton qui va varier entre 20 et 40 MPa. Donc, comme mes barres d'armature sont environ 10 à 20 fois plus résistantes que le béton, ben, c'est ce qui va me permettre d'être capable de renforcer mon béton armé, d'avoir une résistance suffisante en utilisant en fait peu d'acier. Hein, si mon acier avait une résistance beaucoup plus faible, ben, ça serait impossible. La notion même de béton armé ne serait pas possible.
Une autre caractéristique importante du béton armé, c'est que même si les quantités d'armature, ça représente seulement 0,25 et 5 % du volume de béton, puis je pourrais dire globalement, un bâtiment en béton armé, le volume total d'acier va représenter, c'est de l'ordre d'environ de 2 % du volume de béton, donc c'est pas beaucoup. Mais le coût total des barres d'armature va être comparable à celui du béton. Hein, comme les barres d'armature sont, l'acier est environ 100 fois plus cher que du béton. Donc, même si j'en utilise pas beaucoup, j'en utilise 2 %, ben, ça représente un coût important. Donc, dans le cas du béton armé, le coût des armatures, en fait, est à peu près comparable au coût du béton. Une dernière caractéristique qui est importante, c'est qu'on a dit que le béton, en fait, avec une faible résistance en tension, puis dès qu'il est tendu, il va fissurer. Donc, ça signifie que le béton armé va toujours être fissuré. C'est une propriété du béton armé, c'est pas un défaut. La présence de fissures, c'est quelque chose de normal. Donc, le béton va être toujours fissuré, mais en revanche, on va dimensionner les pièces structurales de faire en sorte que l'ouverture des fissures, c'est-à-dire les largeurs des fissures, excède pas 0,1 mm pour prévenir les infiltrations d'agents agressifs, l'eau, les ions de chlore, le sel, les sulfates, etc. Donc, généralement, dans du béton armé, le béton tendu est fissuré, mais ces fissures-là sont extrêmement minces pour éviter d'avoir de l'eau salée ou d'autres éléments agressifs qui vont pénétrer dans le béton et qui vont attaquer les barres d'armature. Ça m'amène maintenant à présenter un autre concept qui est important en béton, qui est la notion de béton précontraint. Hein? Dans le cas du béton précontraint, en fait, ce qui va distinguer le béton du précontraint du béton armé ordinaire, c'est que dans le béton précontraint, les armatures longitudinales vont être prétendues afin d'induire dans le béton des efforts de flexion de direction opposés aux efforts de flexion qui sont causés par l'application des charges externes. Hein? Donc, on va déjà venir mettre la tension dans les barres d'acier pour créer des efforts à l'intérieur de nos pièces de béton qu'on va le voir à la prochaine diapo. Donc, pourquoi on va faire ça? Parce qu'en faisant ça, on va augmenter de façon substantielle la résistance du béton. Donc, le béton précontraint va posséder une résistance mécanique bien supérieure à celle du béton armé ordinaire. Donc, ça va être utilisé pour les charpentes fortement sollicitées. Ça va augmenter beaucoup leur efficacité structurale. Ça va faire aussi en sorte que le béton précontraint va être moins déformable que le béton ordinaire, ce qui est un autre avantage appréciable. Un autre avantage aussi extrêmement important, c'est que dans le cas du béton précontraint, le béton précontraint va être conçu, dimensionné de façon à ce que lorsqu'il va supporter les charges, tout le volume du béton va demeurer comprimé. On n'aura aucun effort de tension à aucun endroit dans le béton. Donc, ça signifie que contrairement au béton armé ordinaire, le béton précontraint ne sera jamais fissuré, ce qui est un avantage appréciable aussi, en particulier au niveau de durabilité. Hein. S'il n'y a pas de fissure, ben, je n'ai pas d'agents agressifs comme de l'eau salée, par exemple, qui peuvent pénétrer à l'intérieur du béton et aller attaquer les barres d'armature. L'absence de ces fissures-là, ben, va faire en sorte, comme je viens de le mentionner, que ça va améliorer considérablement la durabilité du béton précontraint, surtout lorsqu'il est exposé à des conditions d'exposition sévères. Puis finalement, ben, la précontrainte va être utilisée dans les ouvrages où j'ai besoin d'une grande efficacité structurale. Donc, on a ici illustré schématiquement le principe du béton précontraint. Donc, à gauche, j'ai une poutre de béton ordinaire. Donc, avant le chargement, j'ai mon béton avec mes barres d'armature qui sont dans le bas. Donc, je n'ai pas d'effort à l'intérieur de mon béton. Quand je vais venir appliquer une charge verticale sur ma poutre va se déformer comme ça en flexion. Donc, je vais avoir de la tension dans le bas. Mon acier va travailler ici en tension. Puis, je vais avoir des fissures qui vont apparaître dans le bas de ma poutre, mon béton qui va fissurer. Lorsque je vais utiliser du béton précontraint, ben en fait, dans ma poutre, avant de venir mettre les charges externes, je vais venir tirer sur mes armatures en béton. Donc, je vais venir
induire une prétention, hein, dans mes barres en acier. Hein, mes barres en acier vont être tendues. Comme mes barres en acier vont être tendues, bien, ils vont venir comprimer le béton dans le bas de ma poutre. Puis comme je viens comprimer le béton dans le bas de ma poutre, ma poutre de béton va subir une déformation comme ça. Je vais avoir une cambrure vers le haut, là. Je vais avoir une flexion vers le haut, ce qui fait que je vais avoir de la compression dans le bas puis de la tension dans le haut. Lorsqu'ensuite, en chantier, je vais venir installer ma poutre puis que mon bâtiment, la construction de mon bâtiment va être complétée, mais je vais venir ajouter des charges verticales. Donc, une partie de ces charges-là verticales va annuler l'effet de prétension. Puis ensuite, je vais être encore capable de porter des charges, mais je vais être capable de porter une charge plus grande. Je vais avoir moins de déformations et comme je le mentionnais précédemment, je vais m'organiser dans le dimensionnement de ma poutre pour pas avoir du tout d'effort de tension dans le bas. Donc, je n'aurai pas l'apparition de fissures comme ici dans du béton armé. Donc, c'est un gros avantage. Pour faire du béton précontraint, ben, on peut utiliser deux techniques pour précontraindre le béton. La première, c'est la précontrainte. Donc, c'est généralement utilisé en usine sur du béton préfabriqué. Puis la deuxième, c'est la post-contrainte. Ça va être généralement utilisé en chantier pour du béton coulé sur place. Lorsqu'on parle de précontrainte, ça m'amène aussi à parler du fluage du béton, qui est une propriété importante qui va être particulièrement importante dans le cas du béton précontraint, parce que ça va causer des pertes qui peuvent atteindre jusqu'à 40 %, car les câbles vont se raccourcir en même temps que le béton se comprime sous l'effet du fluage. Donc, si on regarde ici le fluage du béton, c'est si mon béton est sollicité en compression et que je laisse ma compression pendant suffisamment longtemps, ben, en fait, avec le temps, mon béton comprimé va se raccourcir. Hein? Je vais avoir un retrait. Ce phénomène-là, on va appeler ça du fluage. Donc, ça veut dire, on le voit ici, puis c'est un phénomène qui est lent, qui va se faire sur plusieurs années, qui va dépendre ben, de la force de compression sur le béton, mais qui va dépendre aussi beaucoup du degré d'humidité. Donc, on voit ici la courbe en trait rouge continue. C'est si mon béton était conservé continuellement à 100 % d'humidité relative, donc il est complètement humide. Donc, on voit que ça se poursuit après 10 ans, même après 20 ans, le fluage se poursuit toujours. Disons, après 10 ans, mon fluage va être de l'ordre à peu près de 0,3 mm par mètre. Ça veut dire que si j'ai une poutre de 10 mètres, par exemple, ben, elle va se raccourcir de 3 mm. Puis là, vous avez ici à 70 % d'humidité relative et à 50 % d'humidité relative. Donc, plus le taux d'humidité relative va être bas, plus le retrait va être important. Donc, 50 % d'humidité relative, c'est assez représentatif de ce qu'on retrouve dans des conditions normales dans un bâtiment. Donc, je m'aperçois, par exemple, qu'après 5 ans, ben, mon fluage est de l'ordre d'un millimètre par mètre. C'est-à-dire que si ma poutre, au départ, faisait 10 mètres de longueur, ben là, elle va perdre 10 millimètres, elle va être plus courte de 10 mm. Si je reviens en arrière, hein, ben, ça veut dire qu'ici, mon câble qui était tendu, ben, comme ma poutre se raccourcit, je perds de la tension dans le câble. Donc, comme je perds de la tension dans le câble, je perds de l'efficacité structurale. Okay, donc, selon l'intensité du fluage, ben, les pertes de précontrainte vont être plus ou moins importantes, mais ces pertes-là peuvent atteindre jusqu'à 40 %. Donc, les câbles vont se raccourcir, puis ils peuvent perdre 40 % de leur tension initiale sous l'effet du fluage. Lorsque je vais utiliser les techniques de post-contrainte, je vais pouvoir compenser ces pertes-là en venant retendre les câbles par après pour leur redonner leur tension initiale. À l'écran ici, la diapositive compare les deux techniques utilisées, c'est-à-dire le béton précontraint à gauche et le béton post-contraint à droite. Dans le cas du béton précontraint, tout est fabriqué en usine. Donc ici, on vient faire un coffrage en usine. On vient tendre un câble attaché à des contreforts. On coûte le béton. Et ensuite, lorsque le béton est durci, on vient couper le câble. Dans le cas du béton post-contraint,
Bien, tout ça est installé, les câbles sont installés au chantier. Dans le cas du béton précontraint, le câble est tendu dans le coffrage avant la mise en place du béton. On tend le câble et on vient couler le béton autour. Dans le cas du béton post-contraint, bien, le câble est placé dans une gaine avant la mise en place du béton. Pour le béton précontraint, comme le câble est tendu, son profil est forcément linéaire. Alors que pour les bétons post-contraints, le profil de la gaine ici va être ajusté en fonction des efforts internes pour optimiser l'efficacité structurale. Comme les efforts varient selon la longueur de la poutre, bon, on va faire jouer ici le profil du câble en conséquence. Dans le cas du béton précontraint, le béton est muré à la vapeur. En effet, on a dit que la réaction chimique d'hydratation était lente. On ne peut pas se permettre d'attendre 28 jours à 21 degrés Celsius pour faire notre pièce. On peut pas avoir fabriqué une pièce à tous les 28 jours. Donc, on a des exigences de productivité où généralement, on veut fabriquer une pièce par jour, ce qui fait en sorte que pour accélérer ça, on va utiliser un béton en prise rapide et le béton va être mûri à la vapeur à 65 degrés. Dans le cas du béton post-contraint, bien, ça va se faire en usine. Donc, le béton va être mûri à l'humidité et à température ambiante. Pour le béton précontraint, quand le béton a atteint sa résistance visée, le câble est coupé pour appliquer la précontrainte. Tandis que pour le béton post-contraint, quand le béton a atteint la résistance visée, le câble est tendu qu'un vérin hydraulique pour appliquer la précontrainte. Dans le cas de la précontrainte, bien, comme le câble adhère au béton, comme j'ai une adhérence entre le câble et le béton, bien, il est impossible de retendre les câbles pour compenser les pertes de précontrainte avec le temps. Donc, je vais prévoir les pertes de précontrainte anticipées et ajouter au départ une tension plus grande dans le câble pour compenser les pertes de précontrainte. Dans le cas du béton post-contraint, bien, comme le câble est libre de se mouvoir à l'intérieur de la gaine, je peux venir installer mon vérin hydraulique, puis retendre le câble par la suite pour venir compenser les pertes de précontraint. Donc, périodiquement, je peux venir réajouter la tension. Donc, je vais toujours garder la tension qui était prévue initialement dans le câble. Après avoir décrit les propriétés du matériau béton, on en vient maintenant à la construction en béton armé proprement dite, en abordant les différents types de charpentes qui vont être utilisées. Tout d'abord, on peut rappeler les trois idées maîtresses de la construction en béton armé. La première idée, c'est que l'ajout de barres d'armature en acier va permettre de pallier à la faible résistance du béton à la tension. On a mentionné que c'était possible parce que la résistance à la tension de l'acier est de 10 à 20 fois supérieure à celle du béton. Mais on pourrait ajouter que c'est également possible parce que le module d'élasticité de l'acier est environ 7 fois supérieur à celui du béton, ce qui permet de maintenir les déformations au niveau raisonnable. Et finalement, les coefficients de dilatation thermique des deux matériaux sont comparables, ce qui fait que lorsqu'on va avoir des variations de température, on ne va pas induire d'efforts additionnels dans notre structure. Donc, ça n'aurait pas été possible si les deux matériaux auraient eu des coefficients de dilatation thermique très différents. La deuxième idée maîtresse en construction en béton, c'est la notion de coffrage qui joue un rôle clé dans tout le choix du système constructif. En effet, on constate que le béton est un matériau bon marché. En fait, un mètre cube de béton coûte environ 5 fois moins cher qu'un mètre cube de boîtiage et 100 fois moins cher qu'un mètre cube d'acier. Et c'est aussi un matériau qui est facile à mettre en œuvre. Donc, toute la logique constructive vise à simplifier les coffrages. Ce qui est complexe et ce qui est coûteux dans la construction en béton armé, c'est les coffrages, c'est pas le béton. Finalement, la troisième idée, c'est le souci de simplification des coffrages qui fait en sorte que l'architecture en béton va être essentiellement une architecture de surface où on va privilégier les dalles, les murs et les voiles plutôt qu'un assemblage de plusieurs pièces longilignes comme dans le cas des charpentes en acier. Hein, donc, toute la construction en béton va être conçue en pensant au coffrage, en essayant de travailler avec des surfaces le plus possible pour réduire la complexité des coffrages. Donc, si on regarde différentes idées encore reliées à la construction en béton armé, bon, on peut mentionner que les coffrages et les cages d'armature sont entièrement fabriqués au chantier,
Ce qui est très différent de la construction aussi en acier ou en bois massif, où tous les éléments étaient préfabriqués en usine et seulement assemblés en chantier. Donc, à cet égard-là, on se rapproche plus de la construction légère en bois, où le gros du travail est fait en chantier. Un deuxième point important, c'est que contrairement à l'acier ou au bois massif, où toutes les pièces étaient préfabriquées en usine, on avait un travail important en usine, mais quand on est arrivé en chantier, l'assemblage était très rapide. Bien, dans le cas de la construction en béton armé, le processus de construction va être beaucoup plus lent et va exiger beaucoup plus de main-d'œuvre en chantier, mais c'est une main-d'œuvre moins spécialisée. Vous vous souvenez qu'en acier, on avait peu de main-d'œuvre en chantier, mais on avait une main-d'œuvre très spécialisée. Le troisième aspect, c'est que le béton va être transporté par bétonnière jusqu'au chantier, à partir de l'usine de béton jusqu'au chantier, et qui va être mise en place à l'aide de trémies ou par pompage. On verra ça ultérieurement. La quatrième idée, c'est que lors de la mise en place dans les coffrages, le béton va être vibré. Hein, le béton est un matériau, le béton frais est un matériau fluide, mais raide. Donc, la vibration va nous permettre de faciliter la mise en place dans les coffrages. Ça va avoir pour effet de liquéfier le béton, puis lui permettre de bien s'écouler à travers les barres d'armature pour remplir tout le coffrage. Ensuite, la fabrication, l'installation des coffrages est l'étape la plus coûteuse, la plus longue et la plus coûteuse. Donc, plus on va simplifier les coffrages, plus la construction va être rapide et économique. Puis finalement, un point important aussi, c'est que les charpentes en béton armé permettent généralement de réduire considérablement l'épaisseur des planchers par rapport aux constructions en acier ou en bois massif. On essaie d'éliminer le plus possible les poutres et les poutrelles pour se limiter à des dalles. Donc, ça va nous donner des planchers beaucoup plus minces. En contrepartie, l'inconvénient de ça, c'est qu'on n'aura pas de place pour cacher les mécaniques. Donc, la mécanique va souvent être apparente puis devra être mieux intégrée au concept architectural. Si on continue, on sait que le béton est coulé en une seule étape, étage par étage, pour limiter les joints. Hein, donc, on essaie de faire en sorte que ce soit un matériau monolithique avec le moins de joints possible. Ça, généralement, on va commencer par couler les poteaux de l'étage inférieur, on va couler les poutres et les poutrelles, on va couler les dalles. Donc, on coupe un étage au complet, ce qui fait que tous les joints sont rigides, contrairement en acier où c'était difficile, hein, où on avait des joints motulés. Là, on a des joints rigides, puis donc on a un effet de cadre rigide là, qui va nous aider pour le contreventement qui va être obtenu facilement. L'autre idée, c'est que les charpentes en béton armé utilisent essentiellement deux systèmes de contreventement. On va utiliser soit des murs de refend, ce qui est le système privilégié, soit des cadres rigides. Les cadres rigides aussi vont profiter du fait que les charpentes sont plus massives. Donc, généralement, leur efficacité va être meilleure que dans les charpentes en acier. En revanche, c'est rare qu'on va utiliser des contreventements en treillis. Ça existe, mais disons, c'est utilisé uniquement occasionnellement, là. Généralement, c'est plutôt des murs de refend ou des cadres rigides. Ensuite, contrairement à l'acier qui produit des structures squelettiques, on l'a mentionné, l'assemblage de plusieurs membrures lancées, bien, le béton, je me répète, mais ça produit des structures de surface avec des planchers, des murs, des voiles minces. Donc, c'est une caractéristique du béton. Et dans les charpentes en béton armé, une autre caractéristique aussi, parce qu'on a des joints monolithiques, c'est facile de construire des porte-à-faux parce qu'on a des assemblages rigides. Donc, c'est également un avantage constructif. On va utiliser pour les charpentes en béton armé deux types de systèmes. On va avoir des systèmes unidirectionnels et bidirectionnels. Dans les charpentes en acier et en bois massif, on a parlé de charpentes unidirectionnelles et bidirectionnelles, mais même lorsqu'on avait des systèmes bidirectionnels, le transfert des efforts se faisait selon un mode de transmission unidirectionnel. Vous vous souvenez, en acier, on mettait une charge sur notre dalle. Notre dalle transférait la charge dans une direction sur les poutrelles. La poutrelle reprenait cette charge-là et la transférait dans une direction perpendiculaire, de façon unidirectionnelle jusqu'aux poutres. Les poutres retransféraient la charge de façon unidirectionnelle dans une direction perpendiculaire jusqu'aux poteaux et les poteaux acheminaient les charges jusqu'aux fondations. Dans le cas des systèmes en béton armé,
On a des vrais systèmes bidirectionnels, c'est-à-dire si vous regardez les petits schémas en bas de la diapositive, à gauche, on a le cas d'une dalle unidirectionnelle. Si j'aurais par exemple une dalle qui repose sur des poutres et des poteaux. Dans ce cas-là, ce serait une série de poutres unidirectionnelles. Donc, si vous regardez sur le petit dessin, la dalle fléchit uniquement dans une direction, donc va transmettre les charges dans une direction pour les acheminer vers les poutres qui vont les ramener au poteau. C'est le même type de transmission qu'on avait dans les charpentes en acier, les charpentes en bois massif unidirectionnelles. À droite, on a une dalle bidirectionnelle, mais là, qui fonctionne vraiment de façon bidirectionnelle, c'est-à-dire on aurait une dalle qui repose, par exemple, sur quatre poutres et sur quatre poteaux. Donc, quand on va appliquer une charge sur la dalle va fléchir dans les deux directions, donc va ramener les charges dans deux directions orthogonales vers les poutres qui vont les acheminer au poteau. Donc, j'ai vraiment ici un système de transmission de charge bidirectionnelle qui est très différent de ce qu'on avait en bois, de ce qu'on avait dans les charpentes en acier. Par contre, lorsqu'on a parlé en bois des panneaux de CLT, les panneaux de CLT peuvent agir aussi de façon bidirectionnelle de cette façon-là. Puis finalement, le dessin en bas à droite montre qu'on peut avoir la dalle peut travailler de façon bidirectionnelle, mais sans avoir de poutre. Donc, si j'ai simplement une dalle qui est déposée sur des poteaux, donc je vois que mes charges vont être acheminées dans les deux directions. Donc, j'ai une distribution de charges bidirectionnelle. Mais dans ce cas-là, contrairement à la dalle bidirectionnelle qui est illustrée en bas au centre de la diapositive, où tout le bas de la dalle était tendu, tout le haut était comprimé. Dans le cas de la dalle bidirectionnelle sur poteau qu'on voit à droite, mes efforts sont alternés. Donc, à certains endroits, le bas va être tendu, le bas de la dalle va être tendu et le haut va être comprimé. Et à d'autres endroits, au-dessus des poteaux, par exemple, ça va être l'inverse. Je vais avoir de la tension dans le haut de la dalle et c'est le bas qui va être comprimé. Donc, au niveau de l'efficacité structurelle, le système bidirectionnel au centre est plus efficace que la dalle unidirectionnelle. Et le système bidirectionnel sans poutre va être encore plus efficace que la dalle bidirectionnelle qui repose sur des poutres, parce qu'à ce moment-là, les efforts de tension vont être répartis dans le bas et dans le haut de la dalle et pas seulement dans le bas de la dalle. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les systèmes bidirectionnels vont être efficaces généralement sur des trames carrées. Donc, si j'ai un système bidirectionnel comme les illustrations au centre puis à droite en bas, ça s'impose que je dois choisir des trames carrées ou presque carrées, à l'inverse des systèmes unidirectionnels qui vont être efficaces, eux, sur des trames rectangulaires, donc où j'ai un côté long et un côté court. Si je regarde l'illustration en bas à gauche, le côté court, ce serait la portée de la dalle. Puis dans l'autre sens, hein, dans le sens de la poutre, j'aurais une portée plus longue. Donc, c'est une particularité importante là, des charpentes en béton armé, ce qui fait que ces charpentes-là vont être plus contraignantes au niveau de la régularité de la trame que les charpentes en acier ou en bois massif. Donc, on va voir maintenant les différentes charpentes en béton armé qui peuvent être utilisées. On va les classer par ordre croissant de portée, de capacité portante et de coût. Donc, on voit que la variété on a un choix de trame qui est plus vaste que dans le cas des charpentes en acier ou en bois massif, où en fait, on avait des trames unidirectionnelles, bidirectionnelles et parfois, mais rarement, tridirectionnelles. Là, on a des systèmes beaucoup plus variés. C'est les systèmes, je les ai classés du plus simple au plus complexe. Donc, généralement, on va essayer, si c'est possible, d'utiliser les systèmes les plus simples. Et quand ce n'est pas possible, bon, on va aller vers des systèmes plus complexes. Donc, ici, ces systèmes-là sont classés par ordre d'efficacité et de simplicité. Donc, les plus simples, c'est les dalles unidirectionnelles. Ensuite, les dalles plates avec ressaut, les dalles nervurées, les dalles gaufrées et les dalles sur poutre et poutrelles. On s'aperçoit que le système le plus complexe et le moins efficace, en fait, c'est les dalles sur poutre et poutrelles qui se rapprochent des charpentes en acier et en bois massif qu'on a vu précédemment. Donc, c'est dans ce cas-là, la façon de construire qu'on utilisait en acier et en bois massif, ben, en fait, c'est la pire façon si je veux construire en béton.
Pour tous les types de charpente, on peut dire aussi que l'utilisation de la post-tension ou de la post-contrainte, ça va être une technique très efficace qui va te permettre d'accroître considérablement l'efficacité des systèmes. Donc, ça nous permet d'augmenter la portée et la capacité portante des planchers. Par contre, c'est une technique qui peut être assez coûteuse selon les cas et qui va aussi allonger la durée du chantier. Donc, ce sont deux inconvénients. Donc, si on regarde le système le plus simple, la dalle unidirectionnelle, donc c'est un système très économique et facile à construire parce que ça requiert qu'un coffrage plat. Donc, idéalement, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on voit sur l'illustration en bas à gauche de la diapositive. Je vais utiliser des murs porteurs et je vais venir couler là-dessus une dalle de béton. Donc, c'est très simple, mes murs porteurs, j'ai juste deux coffrages plats, puis je vais venir couler le béton entre ça. Puis pour ma dalle, ben, j'ai un coffrage plat de plancher. Je vais placer mes armatures par-dessus, je vais venir couler mon béton. Donc, c'est un système très simple. Si je ne peux pas avoir de mur porteur, le plus simple, c'est d'utiliser des murs porteurs. Ces murs-là pourraient avoir des ouvertures, mais ils pourraient avoir des portes ou des fenêtres qui seraient percées dans les murs. Si ce n'est pas possible d'utiliser des murs, ben, je peux utiliser un système de dalles sur poutres et poteaux. Donc, je vais avoir des poteaux, des poutres, puis sur ces poutres-là, je vais déposer une dalle unidirectionnelle. Lorsque j'ai utilisé un système avec des dalles unidirectionnelles, généralement l'épaisseur de la dalle va varier entre 150 et 250 mm. Et pour tous les systèmes de construction qu'on va voir, les épaisseurs varient généralement en multiples de 25 mm, là, ou d'un pouce si vous préférez. Ces systèmes-là, bon, sont simples, sont efficaces, sont économiques. En revanche, leur défaut, c'est que ça ne nous permet pas de franchir de grandes portées. Avec ce type de système-là, la portée ne dépasse pas beaucoup, 6 mètres là, pour du béton armé conventionnel. Puis on peut aller jusqu'à 10 mètres avec la post-tension, mais on ne peut pas aller chercher des portées plus grandes que ça. Donc, on a une idée ici sur le dimensionnement de ces poutrelles-là. Donc, je vous ai mis une figure ici qui vous donne l'épaisseur de la dalle, exprimée en millimètres, en fonction de la portée exprimée en mètres. Ça vous donne une idée de l'efficacité des systèmes. Donc, si par exemple, j'ai une portée de 5 mètres, ben avec de l'armature conventionnelle, ici, vous avez en gris, vous avez la gamme là, des valeurs qu'on va retrouver. Donc, si je suis dans le résidentiel, par exemple, hein, j'ai une petite charge, je vais lire ici dans le bas de la jaune grise. Si j'avais une bibliothèque avec des charges importantes, ben, j'irais plutôt dans le haut, là. Ici de ma zone grise. Donc, mettons que je suis dans du résidentiel, c'est-à-dire pour une portée de 5 mètres, ici, ça me donnerait une épaisseur de dalle de l'ordre de 200 mm. OK, puis je m'aperçois que si je vais aller chercher des portées plus grandes, ben avec une dalle de 250 mm d'épaisseur, là, je ne peux pas aller chercher des portées plus grandes que 6 mètres. Si j'utilise la post-tension, la figure ici nous montre bien l'efficacité de la post-tension. Hein. Pour une dalle, par exemple, de 150 mm d'épaisseur, ben, je m'aperçois qu'avec l'armature conventionnelle, je suis limité à des portées, disons, inférieures à 4 mètres, qui ne dépassent pas 4 mètres. Mais avec la post-tension, je peux aller chercher des portées qui peuvent atteindre 7,5 mètres. Donc, ils sont pratiquement le double. Donc, ça montre bien l'efficacité de la post-tension. Donc, la post-tension, ça a un coût additionnel, ça rallonge le chantier, mais en revanche, là, c'est très efficace, puis ça me permet d'aller chercher des portées plus grandes. Donc, on voit un exemple ici de dalle unidirectionnelle. Donc, c'est vraiment un exemple classique de dalle unidirectionnelle où j'ai des murs porteurs en béton, puis des dalles en béton coulées là-dessus. Donc, j'ai une série de murs porteurs parallèles, puis de dalles. On voit que dans les dalles, je peux avoir des ouvertures. Ici, j'ai une ouverture, par exemple, pour faire passer des escaliers. Donc, je pourrais avoir des ouvertures aussi dans les murs. Il n'y en a pas ici, dans cet exemple-là, mais je peux avoir des ouvertures pour avoir des fenêtres ou des portes. Donc, le deuxième système qui est simple aussi, si je ne peux pas utiliser de mur porteur, ben, j'ai dit que je pouvais utiliser un système poteau-poutre, mais les poutres, c'est ce qui est le plus compliqué de faire en béton armé. Donc, un système efficace aussi, c'est ce qu'on appelle une dalle unidirectionnelle à bande. C'est ce que je vais faire si vous regardez sur l'illustration.
c'est que dans l'axe des poteaux, plutôt que mettre une poutre, en fait, je vais comme surépaissir la dalle. La dalle va être plus épaisse sur une certaine largeur, donc je vais avoir une espèce de bande qui est large, mais qui est mince. Hein? Donc, c'est moins efficace qu'une poutre qui serait plus étroite, qui serait plus haute. Mais en revanche, c'est beaucoup plus simple à fabriquer, puis c'est beaucoup plus économique. Donc, dans ce cas-là, ça me permet d'aller chercher une portée plus grande. Hein, la portée ici entre deux poteaux là, va être plus grande que si j'avais uniquement une dalle plate. Ce système-là est très efficace. Ça va simplifier les coffrages. Je vais avoir des coffrages qui sont assez simples. Ça va me permettre de réduire aussi les coupes, l'épaisseur des planchers aussi par rapport à une poutre. Si j'avais une poutre conventionnelle, bien, ça serait plus épais. Lorsque je vais utiliser ce système-là, la largeur des bandes va varier généralement entre un sixième et un tiers de la portée de la dalle. Donc, je vous ai mis ici la hauteur de la bande en millimètres en fonction de la portée pour de l'armature conventionnelle puis de la post-tension. C'est pour de l'armature conventionnelle, vous vous souvenez, je peux revenir en arrière. Ici, pour de l'armature conventionnelle, on voyait que même avec 250 mm d'épaisseur, la portée était limitée à environ 6 mètres. On ne pouvait pas aller chercher des portées supérieures à 6 mètres. Donc, avec ce système-là, si vous regardez, même avec l'armature conventionnelle, bon, on peut aller chercher des portées là, au-delà de 10 mètres. Donc, ça peut être intéressant. Puis encore une fois, la post-tension, hein, la figure montre bien l'efficacité de la post-tension. J'en arrive au système suivant, qui est la dalle plate. Donc, les deux systèmes qu'on a vus, les dalles unidirectionnelles, j'ai mentionné que c'était efficace généralement sur des trames unidirectionnelles, c'est-à-dire où j'ai une petite portée dans une direction, puis j'ai une portée plus grande dans l'autre direction. Si j'ai des portées qui sont à peu près les mêmes dans les deux directions, c'est-à-dire des trames à peu près carrées, je peux utiliser une dalle plate. Le système à dalle plate, c'est le système constructif le plus économique de tous les systèmes en béton armé parce que c'est celui qui simplifie au maximum les coffrages. Ce système-là va être très efficace sur des courtes portées et de faibles charges. Donc, ça va être très utilisé, par exemple, dans la construction résidentielle lorsque je vais faire des condominiums, là, des édifices à logement. Dans le résidentiel, ben, j'ai pas besoin généralement de grandes portées, les charges ne sont pas très grandes. Donc, c'est un système qui va être extrêmement performant, qui va être très utilisé. L'épaisseur de la dalle pour ce type de charpente-là va varier généralement de 100 à 250 mm. Les portées vont être limitées. Donc, les portées excèdent rarement 8 mètres, mais dans plein de cas, comme en habitation, c'est suffisant. Ça peut être suffisant aussi pour des applications, par exemple, des édifices à bureau. Un des inconvénients, c'est que les poteaux doivent être suffisamment gros pour éviter le phénomène de poinçonnement de la dalle, qu'on va voir dans quelques minutes. Et comme je le mentionnais, comme pour tous les systèmes bidirectionnels, une contrainte, c'est que la trame structurale doit être la plus carrée et la plus régulière possible. C'est difficile, avec ces systèmes-là, de construire sur des trames très irrégulières. Donc, en parlant de la régularité de la trame et de la trame carrée, bien, idéalement, j'aurai une trame carrée comme illustré en bas à gauche, mais je peux me permettre d'avoir des trames rectangulaires. Si j'ai une trame rectangulaire, il faudrait que la direction longue ici ne dépasse pas beaucoup 1,5 fois la direction courte. Là, si je suis dans quelque chose de plus rectangulaire, ce système-là ne sera pas un système approprié. Pour la régularité de la trame aussi, mes poteaux normalement sont tous alignés. Je peux me permettre éventuellement de déplacer des poteaux hein, si j'ai des contraintes architecturales, mais quand je vais déplacer des poteaux, il ne faut pas que l'écart dépasse là, beaucoup un dixième de la portée. C'est-à-dire, si j'ai des portées de 6 mètres par exemple, je peux peut-être déplacer mon poteau de 600 mm, mais pas beaucoup plus que ça. Mes portées doivent être le plus régulières possible, puis si mes portées ne sont pas régulières, bien, mes portées plus courtes ne devraient pas être inférieures à environ 2/3 la portée plus longue. Là. Sinon, si j'ai quelque chose de très irrégulier, bien, ce système-là ne sera pas approprié. Bon, on a encore ici la figure qui nous donne une idée du dimensionnement de ces éléments-là. Donc, si vous regardez l'épaisseur de la dalle en fonction de la portée, donc je m'aperçois, par exemple, pour une dalle de 250 mm, je peux aller chercher des portées qui varient de 7
mètres, disons, à 8 mètres et demi. Donc, c'est des portées raisonnables pour de l'armature conventionnelle. Je peux aller jusqu'à une dizaine de mètres, là, guère plus que ça. Et encore une fois, la post-tension, là, qui est très efficace. Vous avez à droite la largeur minimale des poteaux. C'est-à-dire, si j'utilise, par exemple, une dalle de 250 mm, ben, mon poteau devrait avoir une largeur minimale de 500 mm pour éviter le phénomène de poinçonnement là, qu'on va voir à l'instant. Donc, c'est-à-dire que dans les systèmes comme ça, à dalle plate, un des inconvénients, c'est que ça m'oblige à utiliser quand même des poteaux de grande dimension. J'arrive au phénomène de poinçonnement. Le poinçonnement de la dalle, c'est que lorsque je vais venir appliquer une charge sur ma dalle, je vais avoir un effort de cisaillement qui va être transféré autour du poteau, puis il va être transféré sur la circonférence du poteau. Hein. Si mon poteau est petit, bien, ma circonférence va être petite, donc mes efforts de cisaillement vont être grands. J'ai dit que le béton avait une faible résistance au cisaillement. Dans le cas des dalles, ben, je n'ai pas d'étrier comme dans les poutres, là. Je parlais précédemment des étriers dans les poutres. Je n'ai pas ça dans les dalles. Donc, je n'ai pas une très bonne résistance au cisaillement. Donc, je peux avoir une rupture ici par poinçonnement autour du poteau. Pour éviter ça, ben, je vais grossir le poteau. Donc, en augmentant le poteau, ben, je vais augmenter la longueur du périmètre, le cisaillé, et je vais réduire les efforts. Donc, c'est ce qui faisait que, comme je disais précédemment, si je reviens ici, si vous regardez l'échelle à droite qui vous donne les largeurs minimum des poteaux, ben, ça nous oblige à utiliser des poteaux assez gros. Si la résistance au poinçonnement n'est pas suffisante dans ma dalle, j'ai trois solutions pour augmenter. La solution la plus simple, c'est celle que je viens de dire, c'est de grossir le poteau, hein, d'utiliser un poteau plus gros. Donc, j'ai augmenté la circonférence du poteau, puis je vais réduire mes efforts de cisaillement. La deuxième façon, c'est d'augmenter l'épaisseur de la dalle. Hein, si j'ai ma dalle est plus grande, j'aurai une plus grande surface de béton cisaillé. Donc, mes efforts, mes contraintes de cisaillement vont être plus faibles. La façon de faire ça, je pourrais évidemment épaissir ma dalle sur toute la superficie de mon plancher. Mais ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais l'épaissir localement, hein, autour du poteau. Puis, cette surépaisseur-là, je vais appeler ça un réseau. Puis, finalement, la troisième solution, qui est la plus coûteuse, si je ne veux pas épaissir ma dalle autour du poteau, c'est que je vais utiliser de l'armature de cisaillement. Là. En anglais, on utilise l'expression le shear head. Là. Donc, je vais mettre de l'armature dans ma dalle qui va agir de la même façon que les étriers dans une poutre en béton armé, puis qui vont me permettre de résister aux efforts de cisaillement. Donc, on a un exemple ici de dalle plate en béton, hein, de dalle plate puis directionnelle. Donc, j'ai une dalle plate en béton qui repose sur des poteaux circulaires. On voit que le diamètre des poteaux est relativement grand. Hein, par rapport à la portée. Ici, c'est le deuxième système. C'est la dalle de béton avec des réseaux. Donc, comme je le mentionnais, je vais épaissir localement ma dalle autour des poteaux pour prévenir le phénomène de poinçonnement. Puis finalement, j'ai la troisième solution, l'armature de cisaillement au-dessus des poteaux. Donc, on voit ici, on voit les coffrages. Et là, on voit qu'on a installé nos armatures de cisaillement. Hein. C'est une cage d'armature avec des étriers un peu comme dans une poutre. Puis je vais venir couler mon béton par-dessus ça. Et c'est ces armatures-là qui vont prendre les efforts de cisaillement. Donc, ça m'amène à mon troisième système constructif après les dalles plates. Donc, si une dalle plate, ce n'est pas suffisant, bien, je vais utiliser les dalles avec réseau. Donc, les dalles avec réseau, c'est un système constructif aussi très utilisé, très, très répandu. Donc, ça permet d'accroître la résistance au poinçonnement des dalles plates sans avoir augmenté l'épaisseur du plancher ou la largeur des poteaux. Donc, ça me permet d'aller chercher des portées plus grandes que si j'utilise uniquement une dalle plate. Et c'est un système facile à construire aussi. C'est probablement le système constructif qui est le plus utilisé en béton armé parce qu'elle nous permet d'aller chercher quand même des charges appréciables sur des portées ou aussi des portées raisonnables, des portées assez grandes. Ces portées-là vont varier habituellement entre 6 et 10 mètres. Donc, c'est un système très efficace, très utilisé pour, dans le cas où j'aurais des lourdes charges, hein, dans le cas d'un stationnement, par exemple,
Bien, je peux aussi ajouter des chapiteaux sur les vaisseaux, toujours pour augmenter localement l'épaisseur de la dalle et améliorer la résistance au poissonnement. Donc, si on regarde ici, on a un exemple d'un chantier où on a un réseau ici. Donc, on voit le poteau, là, c'est les barres d'armature du poteau de l'étage inférieur qui se dépassent. Ici, on voit qu'on a commencé à mettre les armatures sur le plancher. Puis, on a notre réseau là, hein, qui est plus bas. Donc, lorsqu'on va venir couler la dalle, on va se ramasser ici avec une surépaisseur de béton. Les dalles plates avec réseau. Donc, ces systèmes-là, c'est des systèmes bidirectionnels. Hein. La charge est transmise dans deux directions. Si vous regardez sur les coupes ici, bon, on voit l'emplacement des barres d'armature. Donc, au centre des portées, j'ai de la tension dans le bas puis de la compression dans le haut. Donc, mes barres d'armature vont être placées ici dans le bas. Hein. Puis, dans l'axe des poteaux, ben, au-dessus des poteaux, c'est l'inverse. Hein? Ma courbure va être dans l'autre direction. Je vais avoir de la tension dans l'eau puis de la compression dans le bas. Donc, si vous regardez ici au-dessus des poteaux, mes barres d'armature vont être situées dans le haut de ma dalle. Donc, ici, on voit un peu l'intensité des barres d'armature. Mes barres d'armature vont être plus denses dans les bandes poteaux, là, dans les bandes alignées avec les poteaux parce que mes efforts sont plus grands. Puis, je vais avoir moins d'armature dans les bandes centrales où mes efforts sont plus petits. Donc, je vais ajuster la densité d'armature et la position de mes barres d'armature en fonction des efforts internes. Donc, on a ici encore une dalle plate avec réseau. Donc, on voit ici le réseau en dessous. On a les barres d'armature qu'on est en train d'installer. On voit ici les barres d'armature très régulières là, dans ma dalle. J'en profite parce qu'on le voit, on a une chaise ici qui est un petit élément qui nous permet de contrôler l'espacement entre le bas de la dalle et la position de ma barre d'armature. Donc, les chapiteaux, hein, donc si j'ai des charges lourdes, pour éviter de trop d'utiliser un réseau qui est trop épais, j'ai utilisé un chapiteau, c'est-à-dire je vais avoir un réseau comme ça, puis par-dessus ça, j'ai utilisé une espèce de pièce conique que j'ai appelée un chapiteau. Je vous ai mis ici les proportions standards pour ce type de construction-là. Donc, le réseau, l'épaisseur du réseau va varier généralement entre le quart et la moitié de l'épaisseur de la dalle. Puis la largeur du réseau va être de l'ordre environ du tiers de la portée là, entre mes poteaux. Si j'utilise des chapiteaux, on voit que la largeur du chapiteau va être à peu près égale à 10 fois l'épaisseur de la dalle. Puis on va avoir un angle ici d'à peu près là, 45 degrés. Donc, on a un exemple de dalle avec des chapiteaux. Donc, on a notre dalle ici. On a nos panneaux surbaissés qu'on voit là. Puis, on a nos chapiteaux au-dessus là, pour prévenir le poinçonnement. Si vous regardez dans les stationnements en béton armé, la structure est habituellement apparente. Comme on a quand même des charges lourdes, on voit souvent des chapiteaux comme ça. Donc, vous avez les dimensions, je passe rapidement, là, de la dalle plate avec réseau, c'est toujours la même chose. Donc, je vois que selon l'épaisseur, donc si je reste à des épaisseurs raisonnables, 250 mm, je peux aller chercher 9 mètres, là, mettons, je peux aller chercher entre 6 et 10 mètres assez facilement. Puis encore une fois, comme c'est toujours le cas, la post-tension qui est efficace, là, hein, par exemple, pour une épaisseur de dalle de 250 mm, bien, avec l'armature conventionnelle, je peux aller chercher, disons, entre 7 et 9 mètres de portée, alors que je vais pouvoir aller chercher plus de 11 mètres de portée avec de la post-tension. Je continue dans mes systèmes. Donc, un autre système qui est plus performant, hein, qui a de plus grandes résistances, c'est ce que je vais appeler les dalles nervurées. Donc, ce système-là, c'est un système constructif qui va être très efficace pour supporter des lourdes charges, hein, c'est dans le cas où j'ai des charges importantes, et pour franchir de longues portées. Pour ce type de système-là, ben, je vais avoir des poteaux, je vais avoir comme une poutre principale ici et des poutrelles dans l'autre direction. La poutre va avoir de la même épaisseur que les poutrelles, la largeur de mes poutrelles va être très mince, puis tout le système va être pensé pour simplifier les coffrages. Donc, avec ce type de système-là, je vais avoir des planchers dont l'épaisseur va varier généralement de 250 et 600 mm. La post-tension va être très avantageuse dans ce cas-là. C'est un système où la post-tension est particulièrement efficace et relativement facile à mettre en œuvre. Donc, dans ces systèmes-là, on va souvent utiliser de la post-tension.
Puis avec la post-tension, je peux atteindre jusqu'à 20 mètres de portée. Donc, c'est bien. Donc, la portée longue, c'est-à-dire dans le sens parallèle ou poutrelle, je peux aller chercher jusqu'à 20 mètres. Puis, je vais avoir des portées plus petites dans l'autre direction. Donc, j'essaie d'avoir des portées rectangulaires. Donc, typiquement, par exemple, l'espacement entre les poteaux va être souvent à peu près la moitié la portée de mes poutrelles. Là, c'est des proportions courantes, c'est des proportions où mon système est efficace. Puis comme je le mentionnais, pour simplifier les coffrages, bien, les poutrelles vont être de la même épaisseur que la poutre. Donc, on voit un peu comment ça fonctionne. Donc, en fait, je vais faire un coffrage. Si vous regardez l'image en bas à droite, en fait, j'ai un coffrage plat. Puis sur mon coffrage plat en bois, je vais venir mettre des petits coffrages qui sont soit en acier, soit en plastique. C'est des coffrages préfabriqués. Plusieurs compagnies vendent ce type de coffrage-là. C'est un peu comme des moulots à gâteau, si vous voulez, hein, que je vais venir placer les uns à côté des autres. Puis entre deux petits moules à gâteau, comme ça, bien, j'ai un espace vide qui va devenir ma nervure, donc dans lequel je vais venir placer mes barres d'armature. Puis pour faire mes poutres principales, en fait, bien, c'est très simple. Hein, mes moules à gâteau vont arrêter là. Puis je vais venir mettre une cage d'armature ici, comme dans les poutres, là. Puis je vais venir couler ça. Donc, d'un point de vue constructif, je vais venir faire un coffrage plat en bois. Je vais venir mettre des moules, là, ce que j'appelle les moules en gâteau, par-dessus ça. Puis je vais venir couler ma dalle. Donc, si regardez en bas à gauche, on a les dimensions standards de ce type de système-là. Donc, un des inconvénients de ça, c'est que les dimensions sont très standardisées. Hein. J'utilise des moules standardisés. Donc, les moules sont disponibles en deux largeurs, soit 510 ou 760 mm. Ils sont disponibles en plusieurs hauteurs, variant de 150 à 500 mm en multiple de 50 mm. Donc, la dalle au-dessus ici va faire habituellement de 75 à 115 mm, donc elle va être mince. Puis mes poutrelles, aussi la largeur des poutrelles va varier de 125 à 230 mm, donc ça va être mince aussi. Un des avantages de ce système-là aussi, c'est que je vais utiliser peu de béton. Hein. Mes parois de béton sont minces, ma dalle est mince, mes poutrelles sont minces, donc je vais avoir peu de béton. J'ai une économie de matériaux, mais aussi ça va faire que mes structures ne sont pas trop lourdes. Le poids est un des inconvénients majeurs des charpentes en béton. Donc, ça me permet d'avoir des charpentes très efficaces, mais qui sont relativement légères. Donc, on a ici le même système. Là, on voit une vue en plan de mon système nervuré. Je vais avoir, vous vous souvenez, on avait des entretoises en construction en acier et en bois pour empêcher le déversement latéral des poutrelles. Là, comme mes poutrelles sont minces, j'ai le même phénomène qui pourrait se produire, là, le déversement latéral. Donc, je vais venir me mettre des espèces de petites entretoises ici, en fait, qui sont obtenues simplement, là, j'ai arrêté mon moule là, puis j'aurai un espace entre les deux. Pour résister au poinçonnement, ce que je parlais, résistance au poinçonnement, dans ces systèmes-là, bien, les dalles sont relativement épaisses. Donc, comme elles sont épaisses, j'ai une plus grande surface cisaillée qui me donne une bonne résistance au cisaillement. Mais c'est souvent insuffisant. Donc, pour augmenter la résistance au cisaillement, habituellement, si vous regardez, l'arme ici de ma poutrelle va s'élargir près de la poutre. Okay, donc, pour faire ça, si je reviens en arrière, mes moules à gâteau, si vous regardez mes moules ici, ont une forme cintrée à l'extrémité. Donc, le dernier moule que j'ai ici a une forme cintrée, ce qui fait que là, je vais avoir ma nervure qui va être de largeur constante, mais quand j'arrive près de la poutre, ma nervure va s'élargir, ça va me donner une plus grande surface de béton près des poteaux. Ça va me donner une meilleure résistance là, au poinçonnement. Donc, on voit bien le système ici avec les petits moules en acier, les moules qui sont cintrés là. On voit les barres d'armature longitudinale. On voit ici, on a mis les cages là, d'armature dans ce sens-là, dans la poutre. Là, on est en train d'installer les cages d'armature ici pour la poutre. On est en train de couler le béton. Hein, donc, on met armature, on vient couler le béton avec une trémie. Au démoulage, on a quelque chose qui ressemble à ça, dans ce qu'on vient de voir par en dessous. On voit ça ici. Hein, donc, ici, on a encore notre dalle nervée. Dans cet exemple-là, c'est un exemple plus rare.
où là, j'ai des grandes portées, puis ici, on voit que la poutre est en dessous, plutôt qu'elle est au même niveau, puis qu'elle est épaissie ici, près de l'extrémité, là, pour prévenir le poinçonnement. Donc, vous avez ici les dimensions standard, là, puis l'emplacement des barres d'armature, hein. Les barres d'armature au milieu des travées sont dans le bas de la dalle, puis au-dessus des nervures, ben, ils sont dans le haut, parce que mes efforts de tension sont à cet endroit-là. Donc, on a les dimensions ici, la hauteur totale en fonction de la portée. Là, ici, on voit que la post-tension est très, très efficace. Hein, si je prends une dalle de 500 mètres, de 500 mm d'épaisseur, par exemple, l'armature conventionnelle, je suis limité à des portées d'environ une dizaine de mètres. Mais je vois qu'en rajoutant de la post-tension, là, je vais jusqu'à une portée d'une vingtaine de mètres. Donc, je double ma portée, ce qui est très avantageux, ce qui fait en sorte que ce système-là est très souvent utilisé, en fait, est majoritairement utilisé avec de la post-tension. Puis finalement, je peux avoir le même système. Mais le système précédent, ma dalle nervurée, ben c'est un système, si je reviens en arrière, hein, c'est un système qui est efficace sur des trames rectangulaires. C'est un système unidirectionnel, donc j'ai une plus grande portée dans ce sens-là, puis j'ai une plus petite portée dans l'autre direction généralement. Je peux utiliser le même système dans deux directions. Donc je vais avoir, c'est ce que j'ai ici sur l'illustration à droite sur diapo, ça devient ce que j'appelle une dalle gaufrée. Donc, c'est le même système, j'ai des nervures dans deux directions. J'ai un système de transmission bidirectionnel des forces, donc c'est plus efficace, hein, pour une même quantité de béton. Ben, je peux porter de plus lourdes charges, de plus grandes portées. Un des inconvénients, c'est que, comme pour tous les systèmes bidirectionnels, je dois utiliser une trame carrée ou presque que carrée. Au-dessus des poteaux, ben, la dalle n'est pas évidée, là, pour avoir une grosse épaisseur, pour éviter toujours mon système de poinçonnement. Puis ce système-là me permet habituellement d'aller chercher des portées entre 10 et 15 mètres et de soutenir des charges lourdes. C'est utilisé souvent, par exemple, pour des bibliothèques, hein, où on a des charges qui sont lourdes, puis où j'ai besoin d'avoir des portées assez grandes selon des deux directions perpendiculaires. Ce système-là va être souvent utilisé là, dans des bibliothèques, par exemple. Donc, on a un exemple ici d'une dalle gaufrée qu'on voit ici par en dessous. Donc, on voit toutes les gaufres de la dalle. Puis on voit au-dessus des poteaux que la dalle est pleine. Donc, la même chose ici, on voit encore la dalle pleine autour des poteaux. Éventuellement, si nécessaire, c'est rare que ce soit nécessaire, mais c'est le cas dans cet exemple-là. On peut utiliser aussi des chapiteaux pour prévenir le poinçonnement. Ici, la dalle gaufrée sur cet exemple-là est particulièrement mince. Donc, la même chose, hein, c'est comme des petits moules, toujours mes petits moules à gâteau, qui sont des petits moules carrés que je vais venir mettre sur ma dalle. Donc, le système constructif est très simple. Puis, autour des poteaux, ben, je ne mets pas de moules, ce qui fait que lorsque je vais venir couler, je vais avoir le béton sur toute l'épaisseur. Puis, je penserai pas en détail, mais c'est toujours la même chose. Si on regarde l'emplacement des armatures, ben, les armatures sont toujours placées sur la face de béton tendu. Donc, un exemple ici avec les petits moules à gâteau, là. Qu'on vient installer. Un autre exemple aussi, on est en train de monter la dalle gaufrée. On voit qu'ici autour des poteaux, on n'a pas mis de moule. Donc lorsqu'on va venir couler le béton, ici le béton va être plein d'épaisseur. Encore un exemple de dalle gaufrée. Là aussi, on a des dimensions standards. Hein, la largeur des moules varie de 480, et de 485 ou 760 mm. Hein, ça semble des valeurs un peu bizarres, mais c'est des valeurs qui donnent des chiffrons dans le système. Dans le système anglais, là, puis vous avez ici à droite, je vous ai un petit dessin qui montre un peu les dimensions standards là, des moules qui sont utilisées. Donc, un exemple de dalle gaufrée ici avec des moules en plastique. Un autre exemple de dalle gaufrée. Donc, on voit ici que les nervures, on a des bonnes portées. Hein, si on regarde par rapport à l'ouvrier, les nervures sont hautes. Ici, on est en train de démouler la dalle gaufrée par en dessous. Donc, le dimensionnement préliminaire, hein, la hauteur de la dalle en fonction de la portée. Puis, vous avez ici la largeur minimale des poteaux là, pour prévenir, encore une fois, le poinçonnement. Hein, si on veut utiliser des poteaux plus petits, ben, à ce moment-là, il faudrait avoir un chapiteau là, en dessous. Et finalement, le dernier système qu'on va utiliser en béton armé, c'est le système sur poutre et poutrelle.
Donc, ce système-là, c'est le système constructif le plus flexible parce que là, je peux aller chercher des portées très irrégulières. Donc, ça se rapproche beaucoup au système constructif en acier. Donc, le transfert des charges, j'ai un système bidirectionnel, j'ai une trame bidirectionnelle, mais le transfert des charges se fait de façon unidirectionnelle comme en acier, hein. La dalle fléchit dans une direction pour amener les efforts à mes poutrelles qui fléchissent dans une direction, pour amener l'effort à ma poutre qui fléchit dans une direction, pour la transmettre au poteau qui achemine ça aux fondations. L'avantage aussi, c'est que le système de poteau puis de poutre, ça me crée des cadres rigides. Donc, j'ai beaucoup de cadres rigides parce qu'à chaque axe structural, j'ai un cadre rigide. Donc, dans mon bâtiment, j'ai un grand nombre de cadres rigides parallèles. Ce qui fait qu'avec ce système-là, généralement, je n'ai pas besoin de murs de refend. Là, les cadres rigides vont suffire pour contreventer mon bâtiment, ce qui est un avantage constructif appréciable. Par souci d'économie, la dimension des poutres et poutrelles doit être uniformisée le plus possible pour simplifier les coffrages. Je vais en parler dans quelques minutes. Puis sur le pourtour du bâtiment, on va souvent utiliser des poutres de rive qui vont être le plus hautes possible pour accroître l'efficacité structurelle des cadres rigides comme système de contreventement. C'est-à-dire, sur le pourtour extérieur, je vais essayer de faire les poutres le plus haut possible. Comme ça, je vais augmenter l'efficacité de mes cadres rigides et je vais augmenter mon efficacité de contreventement. Donc, on a ici une vue qui montre la déflexion du plancher, évidemment en exagérant, puis toujours la même chose, hein. Les barres d'armature placées sur la face tendue ici. La face tendue est en bas, donc mes armatures sont en bas, là, mais la face tendue est en haut, mes armatures sont en haut, etc. J'ai le système ici qui montre la construction de ce système-là, donc ça montre que mon système est plus compliqué. J'ai des coffrages, j'ai un coffrage plat pour mon plancher, mais je dois faire des coffrages ici pour les poutres, puis pour les poutrelles. Je dois construire des cages d'armature aussi. Dans les autres cas, j'avais pas ou peu de cages d'armature. Là, je dois construire des cages d'armature, puis les insérer dans les poutres et les poutrelles. J'ai la jonction aussi entre les poutres et les poutrelles qui va me demander d'ajouter des barres d'armature, là, qui va être plus complexe. On a ici un exemple de la jonction justement entre une poutre et un poteau. Donc, on voit, ça va souvent être assez congestionné, hein. Je vais avoir beaucoup d'armature au nœud. Donc, parfois, je vais être obligé de grossir les dimensions de mes éléments structuraux pour avoir suffisamment de place pour mettre, pour faire passer mes barres d'armature. Donc, on a un exemple ici à la jonction entre un poteau, là, une poutre et une poutrelle. On voit l'armature, on voit que c'est assez dense, hein, il y a beaucoup d'armature. Le rapport hauteur-largeur des poutres va varier habituellement entre 2 et 3, c'est-à-dire si la hauteur ici, H de ma poutre, la largeur va varier habituellement entre un tiers et la moitié de la hauteur. Puis, il y a le tableau ici qui donne le dimensionnement, la hauteur de la poutre, là, en fonction de... Pour conclure la présentation, j'aimerais faire quelques commentaires à propos de l'optimisation des charpentes en béton armé. J'ai déjà mentionné qu'un des avantages des charpentes en béton armé, c'est que les planchers sont moins épais que pour les charpentes en acier ou en bois massif. Donc, c'est un avantage constructif. Ça permet pour le même nombre d'étages, par exemple, d'avoir un bâtiment moins haut. Hein, j'ai représenté ici, j'ai comparé l'écran de façon schématique un bâtiment en acier avec un bâtiment en béton armé. Donc, souvent, la réglementation va limiter la hauteur maximale des bâtiments. Donc, ça nous permet d'avoir un bâtiment moins haut. L'autre avantage, c'est pour une même hauteur, bien, ça nous permet d'ajouter des étages. Ici, par exemple, sur l'illustration, là, bien, si je construis en béton, je pourrais ajouter un étage par rapport à une charpente en acier. Donc, pour le promoteur, le fait d'ajouter un étage, ça peut être très rentable. Donc, si on regarde le coût des charpentes en béton armé, c'est important aussi de comprendre ça. Le coût principal, c'est la main-d'œuvre. On a une main-d'œuvre peu spécialisée, mais c'est long. On a dit que c'est long. Il faut monter les coffrages, placer les barres d'armature, bon, sur les cages d'armature, ces choses-là, couler le béton. Donc, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Si vous regardez, la main-d'œuvre représente à peu près les 2 tiers du coût d'une charpente en béton armé. On voit que le coût du béton, c'est environ 14 % du total. Le coût de l'acier, c'est à peu près la même chose, là, 12 %.
puis on a 10% du coût qui est associé au coffrage. Donc, le béton, l'acier, les coffrages représentent à peu près chacun le même coût. Ici, je vous donne le résultat d'une étude où on comparait pour un même bâtiment deux stratégies de design. On compare le design A et le design B. Dans le design A, le principal objectif était de minimiser la quantité de matériaux qui étaient utilisés, alors que pour le design B, le principal objectif était d'accélérer et de faciliter la construction. Donc, si vous regardez pour les matériaux, le béton, par exemple, le coût du béton, on voit que le design A, le coût est de 30,85 $ plutôt que 32,45 $ à droite du mètre carré de plancher. Pour les armatures en acier, on a 24,35 $ par rapport à 27,05 $ pour le design B. Donc, on voit que le design A, on fait une économie au niveau des matériaux. Par contre, si vous regardez les coffrages, hein, les coffrages nous coûtent beaucoup plus cher parce que comme c'est plus compliqué, on est à 56,80 $ par mètre carré plutôt que 37,85 $. Les autres coûts sont aussi plus chers. Ce qui fait que globalement, si vous regardez le total en bas, le design A nous fait une charpente qui nous revient à 145 $ environ du mètre carré, alors que le design B nous coûte 113 $. Donc, le design B, en simplifiant la construction, même si on utilise plus de matériaux, on constate dans la dernière colonne à droite là, qu'on fait quand même une économie de 22 %. Hein, donc, dans les charpentes en béton armé, l'objectif, ça va être de simplifier la construction. On a ici un tableau, là, je passe rapidement, qui vous montre la vitesse de construction des différents systèmes, puis le travail de préparation. Donc, on voit que selon le type de système en béton qu'on va utiliser, bien, la construction va être plus ou moins rapide. Donc, ça va jouer aussi au niveau de l'optimisation, puis du coût total du projet. L'importance des coffrages, hein, la construction des coffrages représente la majeure partie des coûts associés à la construction en béton. Je disais que la majeure partie des coûts, c'est la main-d'œuvre. Puis ce qui demande beaucoup de main-d'œuvre, ce qui est long, c'est de construire les coffrages. Donc, la simplification des coffrages constitue la stratégie qui est la plus efficace pour réduire le coût de la construction en béton. La simplification des coffrages va aussi permettre d'accélérer la construction en béton puis de réduire les coûts d'intérêt sur l'investissement, on va réduire la durée du chantier. Et enfin, la simplification des coffrages va accroître la productivité en chantier et réduire les risques d'erreur. Donc, le mot d'ordre, c'est de simplifier les coffrages le plus possible. Pour simplifier les coffrages, on a différentes stratégies. Les différentes stratégies d'optimisation vont commencer normalement ou devraient commencer dès les premières esquisses de l'architecte, puis devraient être gouvernées par trois principales préoccupations. La première préoccupation, si on veut autant que possible avoir une géométrie répétitive. La deuxième préoccupation, si on veut utiliser des dimensions standardisées. Et la troisième préoccupation, si on essaie d'avoir le plus possible une cohérence dans le choix des dimensions. Donc, si on regarde ça rapidement au niveau de la géométrie répétitive, bon, on essaie d'avoir la même trame qui se répète à chacun des planchers, puis si possible, le même système qui se répète de travée en travée. Donc, si on répète toujours la même travée sur un même étage et qu'on répète toujours la même trame sur chacun des étages, ben, on a un gain d'échelle important, c'est-à-dire notre système de coffrage, etc., va toujours être le même, puis on va réutiliser exactement le même coffrage d'étage en étage. Donc, comme ça, on va pouvoir optimiser notre système, accélérer la construction, réduire les coûts. Inversement, lorsqu'on va introduire des irrégularités dans la trame, puis souvent on est obligé d'introduire des irrégularités pour toutes sortes de bonnes raisons, mais à chaque fois qu'on va introduire une irrégularité dans la trame, il faut comprendre que ça va occasionner des délais, ça va souvent modifier les équipements qu'on va utiliser, ça va rendre la construction plus complexe, ça va demander un suivi plus rigoureux. Donc, à chaque fois qu'on introduit une irrégularité, le projet devient plus complexe et plus coûteux. Donc, on essaie de réduire ça au minimum. Les dimensions standardisées, maintenant, l'industrie de la construction encourage et facilite l'utilisation de dimensions standardisées le plus possible, particulièrement en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on est le royaume de la standardisation en construction. Donc, il y a une photo, par exemple, à l'écran où on voit des coffrages.
Donc, on voit des coffrages de dimension standard qui sont empilés. Il y a plusieurs compagnies qui vont vendre des coffrages comme ça aux dimensions standard. Donc, on essaie autant que possible de baser notre conception sur des dimensions standardisées. Si on réussit de construire notre bâtiment en utilisant des dimensions standardisées, ben on va utiliser des coffrages standards que l'entrepreneur possède déjà. Et donc, on va réduire les coûts de construction de façon considérable. Inversement, si on a des dimensions qui sont pas standardisées, ça veut dire que ça va obliger l'entrepreneur de construire des coffrages sur mesure. Donc, ça va prendre plus de temps, ça va être plus coûteux. Puis, comme ces coffrages-là sont construits sur mesure, il ne pourra pas les réutiliser ultérieurement dans un autre projet. Donc, le coût des coffrages sur mesure va être entièrement imputé au projet, ce qui signifie que dès qu'on est obligé de faire des coffrages sur mesure, tout de suite, ça augmente la complexité et ça augmente aussi considérablement le coût là, de construction. Finalement, la cohérence dans les choix de dimensions, bon, on va essayer de choisir les dimensions pour nous faciliter la construction. Si on fait des coffrages, par exemple, on sait que les panneaux de contreplaqué, les dimensions standard, c'est 4 pieds de large par 8 pieds de haut. Donc, on va essayer d'utiliser des multiples de 4 pieds puis de 8 pieds pour ne pas être obligé de découper les pièces. La même chose, je vous ai mis une petite illustration en bas à droite de la diapo qui donne un exemple. Il y aura plein d'exemples comme ça. Imaginons par exemple que dans une dalle de béton, dans un mur, je fais un petit décroché comme ça. Ben normalement, hein, on aurait tendance à ce que la hauteur du décroché soit de 4 pouces ou 10 cm. En fait, si on regarde les dimensions des pièces, pour faire ça, là, j'ai mis en jaune les pièces de bois que ça a utilisé pour faire le coffrage. J'utiliserai une pièce de 2 par 4 qui fait en fait 3 pouces et demi de hauteur, puis un contreplaqué de 3 quarts de pouce, donc qui fait 3 quarts de pouce d'épaisseur. Donc au total, ça me donne 4 pouces et quart. Donc si j'ai un décroché de 4 pouces et quart, bien, je vais prendre un 2 par 4 standard, un contreplaqué standard, puis je vais les assembler. Si j'avais 4 pouces par exemple, plutôt que 4 pouces et quart, ben là, je serais obligé de découper ma pièce de 2 par 4, d'enlever un demi-pouce. Donc, ça va me demander du temps, de la main-d'œuvre, puis ça va complexifier inutilement. Si j'avais à l'inverse 4 pouces et demi, donc je ne pourrais plus utiliser une pièce de 2 par 4, je serais obligé d'utiliser une pièce de 2 par 6, la couper. Donc, en plus d'augmenter le travail, ben, je vais avoir des pertes que je vais devoir assumer. Donc, si on essaie d'avoir des dimensions qui sont cohérentes pour faciliter la construction, ben on a un gain. Puis la somme de petits gains comme ça, à la fin, ça fait une différence importante. Donc, par exemple, sur l'illustration à gauche de l'écran, on a ce qui est souhaitable, hein? Ici, on a le poteau qui est de la même largeur que de la poutre. Donc, ça va faciliter les coffrages, l'installation des barres d'armature. Hein? On pourrait avoir la poutre qui est plus large que le poteau, c'est ce qu'on a au centre, ou la poutre qui est moins large que le poteau, c'est ce qu'on a à droite. Donc, même si peut-être on aurait une meilleure efficacité structurelle parce que la forme de notre poutre serait plus appropriée, ce qu'on va gagner éventuellement en efficacité, on va le perdre en simplicité parce que les coffrages vont être beaucoup plus difficiles à construire, là. Donc les deux options à droite de l'écran augmenteraient considérablement le coût de fabrication des coffrages là, comparativement à l'option à gauche. Donc je vais essayer là, de simplifier mes formes, toujours dans l'optique de simplifier les coffrages. Donc ici on a un exemple, vous voyez, on a un poteau avec une poutre. Si on voit que la poutre a la même largeur que le poteau pour simplifier justement les coffrages. Ici, c'est le même bâtiment dans un autre angle. On a une poutre, un poteau, puis une poutrelle. Dans ce cas-là, on voit que les trois composantes ont la même largeur. Bon, la poutrelle, comme elle a des charges plus petites, elle est moins haute que la poutre, là, mais on sent quand même l'effort qui a été fait là, pour ajuster les dimensions, puis pour avoir quelque chose de cohérent qui va simplifier la fabrication des coffrages. Et je termine sur ce dernier exemple. Ici, on a deux options de charpente pour un même bâtiment. Donc, on a l'option en haut où j'ai une série de poteaux comme ça et j'ai des murs porteurs là, où je pourrais regrouper, par exemple, les circulations verticales.
puis j'ai l'option en bas, où j'ai les mêmes dimensions globales, mais où je vois, je n'ai pas exactement la même trame. Si vous regardez la trame du bas, ben j'ai 36 poteaux comparativement à 24 poteaux pour la trame du haut, donc j'ai réduit du tiers le nombre des poteaux. J'ai simplifié aussi mes murs. Donc, si je construisais ces deux trames-là, ben en fait, la trame du bas serait plus facile, plus rapide et moins coûteuse à construire que la trame du haut. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte à l'optimisation de nos structures. On devrait penser normalement, au moment de la conception, si on se soucie de la façon dont ça va être construit, ben on va réussir à construire des charpentes plus efficaces. Ça se termine ce que je voulais vous dire à propos des charpentes en béton armé et je vous remercie de votre attention.